Lundi 28 octobre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur la télé, tout en ma vôtre, les titres. Après une courte pause pluviométrique d'une semaine, l'Agence nationale de la météorologie Mali Météo annonce de nouveau la pluie dans plusieurs localités du pays avec des risques d'inondation jusqu'au 3 novembre 2024. Vous en saurez plus dans cette édition. Le verdict du procès du général de brigade Yaya Sangaré pour outrage à magistrat dans l'exercice de ses fonctions et injures non publiques sera connu le 11 novembre prochain. Depuis la disparition du commandant Daouda Konaté, secrétaire général de la section syndicale des surveillants de prison, la centrale démocratique des travailleurs du Mali, CDTM, et la synergie des sections syndicales des surveillants de prison sont mobilisées pour retrouver leurs camarades. Elles demandent aux autorités compétentes de mobiliser tous les moyens afin de le retrouver sain et sauf dans les meilleurs délais. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Ce lundi 28 octobre 2024, le général de brigade Yaya Sangaré comparaissait devant le juge de la cour d'appel de Bamako pour outrage à magistrat dans l'exercice de ses fonctions et injures non publiques. Sans détour, le général a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a sollicité la clémence de la cour. Amadou Dira. Comme prévu, le général de brigade Yaya Sangaré était à la barre. C'est lundi 28 octobre 2024. Il comparaissait pour outrage à magistrat dans l'exercice de leurs fonctions et injures non publiques. Avant tout débat, l'accusé a reconnu sa culpabilité, tout en soulignant qu'il éprouvait un profond respect et une véritable estime pour les magistrats. Selon lui, son comportement n'était qu'un simple état d'âme, puisque lui-même ne voit aucun intérêt à porter outrage à magistrat. Les avocats de la défense sont allés dans le même sens de leurs clients et ont également demandé la clémence de la cour, rappelant que leur client reconnaît ses erreurs et a renouvelé ses excuses envers ses victimes, ainsi qu'auprès de la cour. De son côté, le parquet a rappelé qu'il ne voyait pas devant lui un général, mais un accusé dont les actes doivent être jugés. Il a insisté sur le fait que la cour n'est pas là pour apprécier la clémence, mais pour examiner les faits. Selon le ministère public, cette demande de clémence ne serait qu'une stratégie hablement orchestrée par les avocats de l'accusé. Enfin, dans sa plaidoirie, le parquet a demandé un an d'emprisonnement ferme pour l'accusé. L'affaire a été mise en délibéré et le verdict sera rendu le 11 novembre prochain. Déjà annoncé dans les titres, la centrale démocratique des travailleurs du Mali, CDTM, et la synergie des sections syndicales des surveillants de prison demandent aux autorités compétentes de mobiliser tous les moyens afin de faire la lumière plutôt sur la disparition de leur camarade, le commandant Daouda Konaté, secrétaire général de la section syndicale des surveillants de prison, et de le retrouver sain et sauf dans les meilleurs délais. La syndicité. Le commandant Daouda Konaté, secrétaire général de la section syndicale des surveillants des prisons, est sans nouvelles et injoignable depuis qu'il a quitté la maison centrale d'arrêt MCA de Bamako aux environs de 11h le samedi 26 octobre 2024. Dans un communiqué, la centrale démocratique des travailleurs du Mali CDTM et la synergie des sections syndicales des surveillants des prisons expriment leur profonde inquiétude suite à la disparition dans des circonstances encore inexpliquées de leurs camarades. Depuis plusieurs heures, notre camarade demeure introuvable, ce qui suscite une vive préoccupation au sein de sa famille, de ses collègues et de toute la communauté syndicale, déplore ses camarades. Pour ses camarades syndicaux, le commandant Daouda Konaté, un secrétaire général très respectueux pour son engagement en faveur des droits des surveillants de prison et de l'ensemble des travailleurs, a toujours œuvré avec dévouement pour la justice sociale et la dignité au travail. Aussi demande-t-il aux autorités compétentes de mobiliser tous les moyens nécessaires afin de faire la lumière sur cette disparition et de retrouver notre camarade sain et sauf dans les meilleurs délais. Par ailleurs, le comité de crise de la CDTM et la synergie des sections syndicales des surveillants des prisons assurent la famille et les proches de leurs camarades tout leur soutien et leur solidarité dans cette épreuve difficile. Dans cet ordre d'idées, une réunion extraordinaire du bureau exécutif national de la CDTM, élargie à la synergie syndicale des surveillants des prisons, devrait se tenir aujourd'hui, lundi 28 octobre 2024. Elle sera suivie d'un point de presse demain mardi, à
afin de partager les dernières informations avec les hommes des médias et annoncer les actions à venir. Toujours dans le même registre, la synergie des sections syndicales des surveillants de prison, de la section syndicale de la justice et du syndicat autonome des surveillants de prison du Mali entame demain mardi un arrêt du travail jusqu'à la libération de leurs camarades détenus. Il s'agit du commandant Daouda Konaté de la section syndicale des surveillants de prison et de Famoussa Fomba de la section syndicale de la justice, portés disparus la fin de la semaine dernière. Les responsables du secteur du bétail et de la viande ont annoncé ce dimanche soir, lors d'un point de presse, la suspension de leur arrêt de travail. Une décision qui fait suite à une médiation de l'association Capital pour la Cour. Cette annonce a été faite au parc à bétail de Nyamana en présence du président de l'association Capital pour la Cour, du président de l'interprofession bétail-viande du Mali. Cette fin de grève marque un nouveau tournant dans l'affaire de délocalisation des marchés à bétail du district de Bamako. Écoutons quelques réactions au micro de notre reporter Lolomadi Baté. Boulette de l'association Capital pour la Cour nationale du Mali. Et suite à des négociations qui ont été entreprises depuis 24 heures, avons décidé de lever le mot d'ordre d'arrêt de travail observé par les acteurs de la filière bétail-viande du Mali. Ceci, c'est une information que nous portons à l'opinion nationale et internationale pour montrer et remercier l'association Capital pour la Cour pour vraiment son implication par rapport à l'observation de l'arrêt de travail qui a été, à l'arrêt de travail qui a été observé par les acteurs. Donc ici, nous disons que nous arrêtons et nous levons notre mot d'ordre de suspension du travail pour le bonheur des populations maliennes. Remercier tous les acteurs qui se sont mobilisés ici parce que nous savons que ce n'est pas sans conséquence un arrêt de travail pour la fourniture de la viande. Et là, nous remercions vraiment les autorités aussi et nous exhortons à engager vraiment une discussion avec les acteurs pour qu'on trouve une issue heureuse. Nous demandons vraiment la suspension, sinon l'arrêt des décarbissements des marchés jusqu'à ce que nous puissions leur exposer les désagréments que cela pourrait nous porter et toujours sous la houlette de Capital pour la Cour nationale. Au nom de l'association Capital pour la Cour, je remercie les autorités du pays pour avoir ouvert leurs portes ce dimanche au bureau de Capital pour la Cour pour pouvoir échanger par rapport à la crise qu'il y a dans la filière bétail. Hier soir, de 23h à 4h du matin, nous avons rencontré tous les intervenants dans la filière bétail. Nous avons achevé une mission que notre ancien président, le président Abousso, avait commencé. Et nous leur avons dit deux choses, sinon trois. Premièrement, qu'ils suspendent la grève. Ils ont accepté. Deuxièmement, les décisions prises par le gouvernement, qu'ils soient solidaires de ces décisions. Maintenant, nous, avec eux, nous allons demander au gouvernement les mesures prises, leur impact, comment réduire les impacts négatifs de ces mesures. Les galbés qui ont été déguerpis, les personnes qui étaient là-bas, comment les réinstaller ? Avec une commission tripartite où Capital sera au milieu, une commission composée des membres de la filière bétail et des membres, des représentants du gouvernement, Capital sera juste un médiateur pour qu'on trouve la solution et qu'on n'ait plus ce genre d'incident regrettable. À présent, parlons de la hausse du prix de la baguette du pain à Gao. Malgré les multiples démarches, les boulangers de Gao ont décidé d'augmenter le prix de la baguette du pain au détriment de la population locale. Une décision rejetée en bloc par la société civile locale. Fatma Talabastouri. Dans un communiqué, le bureau local du Conseil de la Société Civile du Cercle de Gao annonce avoir appris avec beaucoup de stupéfaction la hausse du prix de la baguette de pain à travers un communiqué des boulangers sur les ondes des radios locales et d'autres médias, et ce, malgré les multiples démarches menées auprès des autorités de la Chambre de commerce et d'industrie de Gao.
Selon nos sources, le prix de la baguette est passé de 125 francs à 200 francs CFA par endroit, et cela malgré la mise en garde de la direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence de Gao. Par ailleurs, déplore le président du conseil de la société civile du cercle de Gao, Alidou Maliki, je cite, « cette décision unilatérale des promoteurs de boulangerie est un coup dur pour les paisibles populations de Gao, déjà éprouvées par les nombreuses difficultés liées à l'insécurité, au vol de bétail et au braquage sur les axes routiers, sans évoquer les dernières inondations survenues suite aux pluies diluviennes enregistrées. » Fin de citation. Par conséquent, le conseil local de la société civile dénonce cette situation et rassure les populations que toutes les dispositions seront prises en concert avec les autorités et les autres acteurs pour amener à un prix raisonnable la baguette de pain ainsi que d'autres produits alimentaires de première nécessité dans la cité des Askia. De son côté, les boulangers expliquent cette hausse du prix et du pain et le prévaut à Gao maintenant. Une situation qui impacte beaucoup sur le coût de la production selon les boulangers. Ils promettent que le prix revient à la norme avec la stabilité de l'électricité dans les jours à venir. Dans une note d'alerte météorologie, l'Agence nationale de la météorologie, Mali Météo, annonce l'entame d'une phase humide depuis le 24 octobre 2024 dans certaines régions du sud, notamment Bougouni, Koutiala, Kita, Koulikoro, Ségou, San et Sikasso. Il prévoit également des risques d'inondation jusqu'au 3 novembre 2024 dans certaines localités. Mali Météo conseille de prendre des dispositions pour sauver et bien conserver les cultures en cette période de récolte et de suivre le bulletin météorologique quotidien. Explication, Gabriel Keïta. En effet, Mali Météo rappelle que conformément à la prévision hebdomadaire du 21 au 27 octobre 2024, la situation météorologique était restée dominée par une pause pluviométrique observée dans l'ensemble du pays de façon générale, commencée depuis le 18 octobre 2024 et qui est finie le 23 octobre 2024. Il a annoncé que nous allons entamer une phase humide dès le 24 octobre 2024 dans quelques régions du sud, notamment Bougouni, Koutiala, Kita, Koulikoro, Ségou, San et Sikasso. Mali Météo précise que cette phase humide marque le retour de la pluie dans plusieurs localités du pays pendant les jours suivants, les 26, 27 et 28 octobre 2024 jusqu'au 3 novembre 2024. Ainsi, les activités pluvio-orageuses d'intensité modérée à forte se produiront dans plusieurs localités du pays, respectivement les régions suivantes: Kayi, Koulikoro, Nara, Nioro, San, Ségou, Djoila, Bougouni, Koutiala, Sikasso, Badjangara, Douazan, Mopti et Gao. Ainsi que le district de Bamako et ses environs, des quantités importantes de pluie peuvent être enregistrées par endroit. Mali Météo souligne que face à cette situation, en cette période de récolte, il est surtout conseillé de prendre des dispositions pour sauver, bien conserver et emmagasiner les cultures en cette phase cruciale de la saison des pluies, car les risques d'inondation demeurent et restent très élevés durant la période. Enfin, il conseille de suivre le bulletin météorologique quotidien, d'éviter de s'abriter dans les zones à haut risque d'inondation, d'éviter de s'abriter sous les grands arbres lorsqu'il pleut, d'éviter d'exposer les cultures récoltées en cette période humide, de contacter les services compétents en cas d'inondation. Depuis le début du mois d'octobre, la commune rurale de Fallo, dans le cercle de Bla, région du Ségou, vit une situation d'urgence avec la montée des eaux du fleuve Bani. La preuve, des champs entiers sont submergés par les pluies du dimanche 27 octobre, menaçant ainsi les récoltes et compromettent gravement la sécurité alimentaire locale. Bakariam Sidibé. Chaque jour, les eaux avancent d'environ 4000 mètres, atteignant peu à peu les villages de Siankoro, Kala et Kanso dans la zone de Sandougou, commune de Fallo. En réponse à cette crise, chaque village a formé un comité de secours de 10 membres pour tenter de sauver les cultures encore récupérables. Malheureusement, les champs de ces villages sont désormais totalement inondés avec près de 5 km de surfaces agricoles impactées. Les habitants, sans autres options, utilisent des pirogues et d'autres moyens de fortune pour tenter de sauver leurs récoltes.
Il lance un appel pressant aux autorités, aux personnes de bonne volonté et aux organisations humanitaires pour une aide immédiate. Jour après jour, le niveau de l'eau continue de monter, engloutissant davantage de terres en aggravant une situation déjà critique. Selon des sources locales, la pluie du dimanche 27 octobre a submergé plusieurs champs menaçant les récoltes et compromettant gravement la sécurité alimentaire locale. Un mot de religion dans ce journal. Le Centre islamique de formation et de documentation CIFOD a célébré ce samedi 26 octobre 2024 à Sirakoro Megitana la fin de la formation de sa 9e promotion. Cette promotion porte le nom de Seydou Koulibaly, premier à sortir du CIFOD. Au cours de cette cérémonie, l'engagement et le dévouement des auditeurs ont été salués. C'est ce que nous dit notre reporter Lolomadi Baté. Au total, 23 auditeurs, hommes et femmes, ont été déclarés aptes par le Centre islamique de formation et de documentation après leur apprentissage du chant Coran pendant plus de 2 ans. À l'occasion de cette remise d'attestation, le Centre a félicité les récipiendaires pour leur persévérance et leur travail acharné tout au long de la durée de la formation. Aujourd'hui, ils ont commencé par le niveau 1, c'est-à-dire le niveau 0. Et jusqu'au niveau 6B. Donc, ce qui a fait qu'ils ont été munis et dotés d'une attestation qui atteste que réellement aujourd'hui, ils ont passé par plusieurs modules. C'est une formation modulaire. Donc, on commence par les béaba, par l'alphabet arabe, et après l'initiation, et également nous avons la perfection. C'est un certain nombre de modules qui permet à l'apprenant justement de lire le Coran avec élégance, avec salmodie du Coran, avec les règles. Donc ceux-ci ont appris toutes ces règles-là et ils ont été évalués à l'appui et on a leurs notes et on les a décernées justement ces attestations-là. Les auditeurs, tout en saluant la qualité de l'apprentissage, ont exprimé leur gratitude envers les formateurs et les personnels du centre pour leur dévouement. En réalité, quand on venait au centre Tina, au niveau 1, on ne pouvait même pas déchiffrer, c'est-à-dire les 28 lettres de l'alphabet arabe. Mais aujourd'hui, on parvient à lire le Coran librement, de Surat al-Fatiha jusqu'à Birabinasi, sans problème, aucune. Vraiment, la formation des Tina, vraiment, c'est une formation qui est sans égal. Le représentant du maire de la commune 6 a salué le courage des diplômés et invité le centre à maintenir la dynamique. Je suis très très ému, voyant nos mamans, nos sœurs, avec toutes les difficultés des ménages, laisser tout ça là, se donner à la religion et apprendre le Coran. Tout le monde sait les difficultés que nos mamans ont pour prendre les charges de la famille. Après toutes ces charges familiales, vraiment se débrouiller à venir apprendre le Coran, le Saint-Coran, vraiment, elles sont à féliciter. La cérémonie de fin de formation de la 9e session du Centre islamique de formation et de documentation a été marquée par des démonstrations de maîtrise de la lecture du Coran ainsi que par la remise d'attestation aux auditeurs et aux personnalités présentes. Ainsi prend fin la première grande édition d'information de Renouveau Télé de la toute nouvelle semaine. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Celui qui passe une nuit dans la mare se réveille cousin des grenouilles. Proverbe africain, bonsoir.